Salut à tous, c'est Safix. Alors, je vous retrouve sur GTA 5 Online 1.48 pour un tout nouveau glitch qui consiste à avoir le logo Buckstar sur sa combinaison de braquage. Donc, pour commencer le glitch, vous avez besoin de la combinaison rouge des braquages, d'un véhicule, donc véhicule PNJ ou personnel, peu importe le véhicule, et du psycho-serve. Une fois que vous avez tout ça, vous allez voir dans un magasinement d'aller tenue. Et une fois dans les tenues, vous allez aller dans la catégorie les tenues de braquage combinaison. Vous allez prendre la toute première, donc la rouge. Vous la sélectionnez. Et une fois avoir mis, pas besoin de la sauvegarder. Juste vous la mettez. Et donc une fois avoir mis, vous pouvez sortir du magasin. Et c'est là que vous allez avoir besoin du psycho-serve et du véhicule personnel. Enfin, du véhicule tout court. Donc là, vous allez ouvrir votre pavé tactile. Et vous allez vous inscrire en tant que PDG dans un psycho-serve. Une fois que moi, vous allez vous rapprocher du véhicule, vous ouvrez le pavé tactile, vous allez dans Secure Reserve, gérer l'organisation d'un style. Et à chaque fois que votre personnage va commencer à s'asseoir dans le véhicule, vous allez faire flèche droite, flèche de gauche, vite, vite une fois, et vous redescendez. Si vous n'avez toujours pas le logo sur la combinaison, vous recommencez, vous remontez, quand votre joueur commence à s'asseoir, vous faites flèche droite, flèche de gauche. Et quand vous redescendez, si vous avez le logo, vous pouvez arrêter de le faire. Et donc normalement, on ne peut pas sauvegarder la tenue. Si vous changez de session ou que vous quittez le jeu, ben, le logo va s'enlever. Et vous ne pouvez pas sauvegarder la tenue. Vous pouvez juste le garder pendant que vous êtes dans une session. Mais sinon, si vous changez de session ou que vous essayez de la sauvegarder, ça va s'enlever. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. J'ai essayé de la sauvegarder, le logo s'est enlevé. Donc on ne peut pas. Donc, du coup, je vais vous remontrer vite fait comment faire. Donc là, du coup, il va falloir être en Secure Reserve. Une fois en Secure Reserve, vous allez aller dans Gérer l'organisation, style. Et dès que votre personnage commence à s'asseoir dans votre véhicule, vous allez faire flèche droite, flèche de gauche. Vous redescendez et vous refaites la manipulation jusqu'à que vous ayez le logo qui apparaisse. Donc ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre même longtemps, même pas du tout. Donc moi, la première fois, ça n'a pas duré longtemps, mais là, cette fois-ci, ça va prendre un moment. Donc du coup, je vais mettre un accéléré. Et vous allez voir là, quand je vais descendre du véhicule, je vais avoir le logo qui va apparaître. Voilà. Donc là, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à avoir le logo sur la combinaison. Et donc, vous pouvez pas le sauvegarder, mais vous pouvez l'utiliser pendant toute la session que vous restez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. C'était Satwix, c'est tout le monde. Peace!